جلال بيقولوا D'abord, grand grâce à Dieu et surtout remercier le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais qui s'est mobilisé pour la démocratie sénégalaise. Le peuple sénégalais qui s'est mobilisé aujourd'hui pour les convictions, pour les principes, pour les valeurs. Et vous me permettrez aussi de remercier la coalition Yewi Askanwi et particulièrement la conférence des leaders. Remercier particulièrement tous ces leaders qui aujourd'hui ont pris de leur temps pour nous accompagner dans ce combat. Je veux citer M. Khalifa Ababakar Sall, féliciter aujourd'hui M. l'honorable député Détier Fall, citer aussi Babacar Diop, présent à nos côtés aujourd'hui, M. le ministre Habib Sy, mais surtout féliciter aujourd'hui mes deux compagnons d'infortune. Donc le président Ousmane Sonko et le président Malick Gakou, avec lesquels j'ai passé toute la journée et on a respiré ensemble des gaz lacrymogènes. Vraiment remercier tout le monde, Madame le ministre Aydenbouk, remercier tout le monde, tous ceux qui sont mobilisés, mais particulièrement cette jeunesse sénégalaise, cette jeunesse de la paroisse. J'ai eu à le dire au mois de mars, je le répète aujourd'hui, il ne s'agit pas de ne molester personne. Il s'agit de la démocratie sénégalaise qui est aujourd'hui malmenée, qui est aujourd'hui agressée. Et ça, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. Et je suis au regret de dire que le comportement de cette justice, il est beaucoup plus que suspect. Parce qu'aujourd'hui, on s'est empressé de reporter ce procès, je n'étais même pas encore arrivé au tribunal. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé au mois de mars. C'est un justiciable qui devait se rendre au tribunal et qui est empêché de se rendre au tribunal par la gendarmerie nationale et la police nationale. Et vraiment, je pense que cela n'honore pas notre République. C'est la raison pour laquelle j'avais eu à le dire lors de ma conférence de presse. J'ai dit que le 7 juillet, lors de mon dernier passage au tribunal, il n'avait jamais été question de retenir une date parce que ce dossier n'était même pas programmé pour être enrôlé au rôle des audiences. Donc, ce qui se passe dans ce procès, ce n'est rien d'autre qu'une instrumentalisation de la justice par des hommes politiques qui sont bien connus et bien identifiés. Donc, nous continuons à dénoncer cette volonté de vouloir museler des hommes politiques. Nous continuons à dénoncer cette volonté de vouloir aujourd'hui chercher à hypothéquer l'avenir de certains hommes politiques. Et nous dénonçons surtout aujourd'hui cette volonté de vouloir remettre en cause tous les acquis démocratiques depuis les indépendances. Donc, pas l'accepter. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire en guise d'introduction. Vous me permettrez de prendre aujourd'hui mon compagnon d'infortune de la journée, le président Ousmane Sonko, et de lui demander de faire peut-être la synthèse en Wolof et éventuellement de donner aussi son point de vue s'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr. Il y a des questions? Allez-y. Excusez-moi. J'ai déjà dit que moi je ne retournerai pas au tribunal. On vous a notifié de l'envoi. Pourquoi vous n'avez pas aussitôt retourné? Alors écoutez, je pense que quand on m'a convoqué au tribunal, on m'a convoqué par une voie de citation. Au nom de quoi vous pensez que moi je dois renoncer à aller au tribunal parce qu'il y a une information qui circule sur internet qui vous a dit que ce n'était pas une fake news? J'ai pas dit. Non, je reviens à ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on vous a notifié. Je n'ai reçu aucune notification disant que je devais rester chez moi. On m'a bel et bien convoqué au tribunal ce matin. Je me suis levé, je suis parti au tribunal avec des amis, des compagnons, des camarades et une bonne partie de cette jeunesse. Et à partir de mon quartier, Baobab, où je suis le maire de cette commune, on m'a interdit de sortir de ce quartier. Et malheureusement, les sabotages ont commencé sur l'avenue Bourguiba. Je sortais à peine de Baba. On a été interpellé par la gendarmerie. Ensuite, au niveau du point, on a été interpellé par la gendarmerie.
Je rappelle que c'est le lieu aussi de dénoncer certaines pratiques, parce qu'on n'a pas besoin de tirer des balles à blanc. On n'a pas besoin de tirer des balles en caoutchouc sur les voitures de leaders politiques. Aujourd'hui, ils ont cassé mon véhicule à coups de tirs, de grenades, et c'est le président Ousmane Sonko qui était assis devant. Ça veut dire que si ce pare-brise allait céder, c'est lui qui allait prendre la cartouche. C'est totalement irresponsable. Nous, nous sommes des hommes politiques. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous sommes des responsables. Je pense que personne ne nous a jamais vu foncer sur un barrage de la gendarmerie ou de la police. Pourquoi ces forces de l'ordre pensent qu'ils doivent utiliser autant de violence pour pouvoir montrer leur autorité? Et je rappelle que nous avons été obligés à partir de la Médina de descendre de nos véhicules comme on était empêchés pour continuer à marcher vers le tribunal. C'est de là qu'on a été chargé. On s'est retrouvé dans une maison à la Médina. Et c'est de là que le président Khalifa Sall et l'honorable député M. Détiéfal sont venus nous trouver et nous ont proposé de nous raccompagner chez nous. Et cela avait été décidé avec l'accord des plus hautes autorités de la police. Et je rappelle, c'est la police elle-même qui est venue nous chercher dans cette maison, en présence du président Khalifa Sall et du député Détiéfal, qui nous ont escortés à l'extérieur et qui nous ont installés dans le véhicule du président Khalifa Sall et qui nous ont proposé de nous escorter jusqu'ici. Et on les a suivis dans l'escorte. Et tout à coup, ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur la foule. Et on a continué notre chemin. Et arrivé à hauteur du lycée de la Fosse, ils ont arrêté le cortège, ils ont ouvert la porte du véhicule, ils nous ont sorti de force pour nous jeter dans le fourgon blindé de la police. Totalement scandaleux, totalement humiliant et inacceptable dans une République qui se respecte. Je répète au passage, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, tous les gens qui ont été malmenés aujourd'hui. Monsieur Malik Gopkerti a été ancien ministre dans cette République. Ce n'est pas n'importe qui tout de même. Monsieur Ousmane Sonko est parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans le même véhicule, il y avait l'honorable député Détiéfal. Tout de même, apprenant à respecter les gens pour ce qu'ils sont. Ce sont les élus du peuple. On ne peut pas aujourd'hui accepter que le président de la République du Sénégal soit humilié. Et bien pourquoi nous devons accepter que les députés du peuple ou les anciens ministres soient humiliés comme ça en pleine rue? C'est totalement inadmissible. Je pense qu'il faudrait lancer un appel aux forces de défense et de sécurité, les appeler à la tenue, à la retenue. Ça ne sert à rien de verser dans le zèle. Nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes appelés à diriger ce pays et nous voulons le faire en toute responsabilité. Mais aujourd'hui, nous n'accepterons pas la violation de nos droits. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, même si dans la coalition il y a eu Askanoui, même si dans mon entourage il y a des gens qui pensent que nous ne devons pas leur donner le plaisir de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que jusqu'à preuve du contraire, je le répète, le régime en face aujourd'hui est apeuré. La vérité, c'est qu'ils ont des sondages qui les empêchent de dormir, ils ont aujourd'hui des tendances qui les empêchent de dormir, et ils sont en train de chercher tous les moyens pour ne pas organiser des élections le 23 janvier 2022. Et ça, je l'ai déjà dit, un de vos collègues journalistes avait eu à le dire. Beaucoup de gens se sont peut-être un peu moqués de lui, mais il dit que lui, il ne voit pas comment ce régime va aller vers sa perte. Donc nous le répétons encore, nous sommes candidats aux élections locales du 23 janvier 2022 et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est pouvoir battre campagne de façon totalement apaisée et qu'on nous laisse la possibilité, la responsabilité de pouvoir exercer nos droits dans une démocratie qui se respecte. Je vous remercie. Oui, je voudrais surtout aussi compatir la douleur de tous les blessés. Il y a eu beaucoup de blessés, de part et d'autre. Il y a eu des policiers blessés. Nous compatissons à cette douleur. Mais il y a aussi eu beaucoup de Dakarois, des jeunes blessés. Mais le président Malik Gakou aussi est blessé. Il a été vraiment arrêté d'une façon totalement humiliante, avec une agressivité qui ne s'explique pas. Ce monsieur, je le répète, a été ancien ministre de la République, ancien président du Conseil régional de Dakar. Ce qui s'est passé aujourd'hui lors de notre arrestation n'honore pas une République qui se respecte. Je suis désolé. Donc vraiment, on souhaiterait compatir à toute cette douleur que les uns et les autres ont eu à ressentir aujourd'hui. Mais ce n'était que pour l'expression, une fois de plus, l'expression de notre volonté de pouvoir vivre dans une démocratie respectable et apaisée. Bon, assalamu alaikum.
Ay at
lépp pour casser ko parce que rek nee na dama bëgg fa nga toog yow ma toog fa te am naa jaar-jaar am naa gëdd ci réew mi boo xam ne war naa mën a ne fii bëgg naa ko toog su dee d' accord ma ci sa programme mu teg ko loolu ñëpp wax mu ne déet du ko def def na ko ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te loolu gulet ci Sénégal moo ko fàttaliku ma ci jamono PS donte gone lawoon li ci ëpp bokk wala ci jamono Ablaye Wade fu ñu mos a xañee nit mu nekk candidat ci ay tàppale yoo xam ne justice dañuy instrumental moom Ablaye Wade kenn mosu koo tere nekk candidat te pourtant problème daan na am ba ñu jël ko tëj waaye balaa élection jot ñu génne ko mu nekk candidat moom Ablaye bi muy nekk président mosul xañ kenn nekk candidat bi muy am problème ak Idrissa Seck 2005 balaa 2007 génne nañ ko mu nekk candidat te moo gënoon moo nekkoon la plus grande menace ci moom waaye kii bi mu fi ñëwee ba léegi kenn warul nekk candidat loolu mënatul am ci déglu may wax nag Sénégal yi ne leen ñun jàmm la ñu bëgg waaye jàmm réew mi mu ngi ci loxo Macky Sall bu doxalee jàmm ñu uyu ko jàmm ko ëpp ji mu dox bu doxalee fitna nag dinañu fekk fii ñu fay ko fitna bu tolloog fitna googu wala gu ko ëpp ndax ëpp ñu doole ci dëkk bi ndawam yi muy yónni ci télé yi ñuy wax xam nañ ne bu dul doon police ak gendarme bi dox suñu diggante suñu benn xëy xajul si ñoom bis bu nañu wax waaye tey fa la ñu newoon kenn gisu leen ci bedd dañu génn su dul woon police ak gendarmerie ñun ak ñoom kese fii ci réew mi benn fan ñoom ñëpp ñu toxu gàmm kon ñun jàmm la ñu bëgg waaye jàmm jaa ngi ci loxo Macky Sall la ñuy xaar ci moom mooy noggatu beeg xoqatal di jeex na dootuñu nangu mu dal ci benn kaw benn leader fii ci Sénégal ci loo xam ne tegul ci yoon newuñu lu mu jaar de parce que ñu nit ay citoyen lañu bu ñu defee lu warut yoon dafay dal suñu kaw mais fexe ay mbir yoo xam ne tegul fenn instrumentalise justice ne da ngay dal ci kaw nit ñi loolu jeex na ci réew mi te lu mu ko jaral benn jaralañu ko fukk nag jàmm lañu bëgg jàmm jaa ngi ci loxo Macky Sall ñi koy wër di ko jay naan ko yowa yaa mën yaa xam ñooñu ñooy njëkk a daw bis bu mbir mi tàngee lañ ko ñaan mooy na organiser ay élection locale yu dal ci màggal gi kilifa wax na ko ko ci gàmm gi kilifa wax na ko ko loolu jafewut nañu organiser élection yu jaar yoon ki war a gagné gagné wala ñi war a gagné gagné ñu xam ni ñii la askan wi mooy tànn moom dong réew mi continuer dox fii rek boobu caaxaan yi mu nekkee na ko teg fële kon moom la ñuy njëkk a adressé na bàyyi fitna gi muy taal su paree jël avion daw na yem te xam ni moomul réew mi ñaareel bi justice ñu ngi leen di ñaan dafa am fu mbir di toll ci réew nit ñi dañuy jël dañuy retrouver li tubaab bi wax la dignité professionnelle mooy orme bi nga xam ne wala gëdd bi nga xam ne moom nga war a jox sa liggéey sa diggante yow ak yàlla kese nga delloo ko foofu Macky Sall benn nit rek day romb def fii jógee ndax avant moom président amoon na président amaat président amaat kon niñ leen di ñaan nañu bañ ñu leen di instrumentaliser du loolu mooy justice ci réew justice moo war a stabiliser réew waaye justice warul doon facteur bi taal réew te li fi xaw diggante mars ak tey wane na ni loxo justice génnu ci ñuy ñaan justice nañu delloo si seen xel ñetteel bi administration territoriale ndax li xew tey fële ca ndar wane na ni la administration territoriale doon def du yoon nañu xam ni sénégalais yi ñoo leen di fay seen salaire nañu njaboote ñëpp te doxal yoon parce que institut yu ndaw yooyu ñooy daje 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 ba xëy réew mi egg fu mort egg bu mu jëbi nag toujours mooy appel bi ñuy lancé li ñuy wax les forces de défense et de sécurité ñoom ñoo yor suñu kaaraange ñun ñëpp jox nañ leen
gëdd wégg nañ leen ngal la way nañu gor gor ci jappalé ñu parce que yenn excès yi ñi gis yenn ëppal yi ñi gis bu dé da ngay intervenir ci wa opposition amul lu ko justifier fi ci réew kon yi ma wax ni dañu am ciir bu réré ci lo wara saxal jamm ci réew mi fi nak ak 2024 Macky Sall na xamni dootu ci ko may fu mu noyé lool mom bu yebbo sax na xamni li gay nan marquage à la culotte dootu ñu ko may fu mu noyé non lañ koy topé ba kérok mu organiser dernière élection daal di tak ay bagassam dem ñu ñaanal ko yalla mu dem tok mer mo ci jamm di dox ay soxlam réew mi continuer askan bi tan ki len top ki len gënal mo xam ci mbolom lay joggé mo xam ci opposition lay joggé lool lañ ci bëggon wax ci gattal la ci xew nak ci dess yépp yeena ko gissalo ci rekaw tay ci bëss bi ta mën na né reproduction wala dañu dello ci wat ak li xewon fi mois de mars citoyen buñu convoqué ba paré né ko do ek naka lañu mëna convoqué citoyen gënëgul kërëm sax ñu né renvoyé nañ procès bi Barthélemy Diaz ci internet la wara yégué ni mom renvoyé nañ procès bi ala kay ñu may ko bu mu dem tribunal ñu ne ko ah renvoyé nañ procès bi notifier ko mais genn sa kër ergo tribunal presse bi yeb bind naan renvoyé nañ procès bi biñu xamé ni fofu lañ doon jëm lu waralon bi lepp lan moko waralon kon loolu dootu ñu ko fi nangu Macky Sall nako xam te noppal brièvement en français j'aimerais dire simplement que nous sommes des partisans, des promoteurs et des adeptes de la paix. Parce que rien de grand ne peut se faire sans la paix. Ceux qui parlent de guerre, ceux qui parlent de guérilla, ceux qui parlent de, d'insurrection, ils ne savent pas ce que cela veut dire. Moi qui ai eu la chance de grandir dans une zone où les armes crépitaient tous les jours, je sais ce que c'est que la guerre. Vous ne pourrez rien construire de bon dans une situation d'absence de paix. Vous ne pourrez garantir la santé à personne. Vous ne pourrez garantir l'éducation à personne. À poursuivre, construire des routes et des autoroutes pour créer des emplois pour les jeunes. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui être des prétendants à la magistrature suprême et n'avoir que ce pays parce que nous ne détenons aucune autre nationalité que la nationalité sénégalaise et nous en sommes extrêmement fiers. Nous ne quitterons jamais ce pays pour rien au monde. Nous y sommes nés, nous y avons grandi, nous souhaitons y mourir et y être enterrés. Nous n'avons que ce pays et rien d'autre. Nous ne pouvons souhaiter que rien de ce pays. Réitérer que la coalition Yewi Askani, dans son ensemble, comme dans les individualités qui la composent, est le premier promoteur de la paix dans ce pays. Mais pour qu'il y ait paix, il faut que tous les acteurs jouent la carte de la paix. Et Macky Sall n'a jamais joué cette carte. Il a pu faire ce qu'il a pu faire les 7 premières années de son règne. La conjoncture certainement le facilitait. Il a pensé pouvoir continuer sur ce rythme. Les événements du mois de mars auraient dû être une alerte pour lui. Il aurait dû en tirer toutes les conséquences et se ressaisir. Mais nous sommes au regret de constater que l'homme ne connaît que le rapport de force, il ne connaît que la violence. Je voulais dire que nous souhaitons la paix dans ce pays, mais la paix est entre les mains d'un seul et unique homme qui s'appelle Macky Sall. S'il nous invite sur ce terrain, il aura la réponse adéquate. Parce que nous la souhaitons cette paix. Mais s'il pense pouvoir continuer à liquider des adversaires politiques, à truquer des élections pour se préfabriquer des victoires techniques, il se trompe lourdement. Cela relève du passé parce que nous ne l'accepterons plus. Et si c'est cela qu'il veut nous opposer, il aura la réponse qui s'y est sur le terrain. Parce que j'ai tendance à dire que sociologiquement, Macky Sall sait qu'il est extrêmement minoritaire dans ce pays. Macky Sall sait qu'il ne peut pas mobiliser les jeunes s'il n'avait pas les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, vous savez qu'on ne ferait qu'une bouchée de lui et de ses quelques ouailles qui
après avoir pillé toutes les caisses de l'État, sont sur les radios et les télés à piailler. Nous voulons dire à tout le monde, aux autorités religieuses, à la communauté internationale, au peuple sénégalais dans son ensemble, et je le réitère, que nous souhaitons la paix pour ce pays, mais pas à n'importe quel prix. Nous ne pouvons pas avoir une paix à sens unique où Macky Sall va continuer à emprisonner à tour de bras en instrumentalisant la justice. Vous avez vu ici le président Khalifa Sall qui a été l'une des plus grandes victimes de Macky Sall avec une méchanceté que rien ne justifie. Une méchanceté que rien ne justifie. Une volonté de briser des hommes uniquement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Cela est terminé aujourd'hui au Sénégal et si Macky Sall l'a compris, tant mieux. S'il ne l'a pas compris, je ne pense pas qu'il terminera ce mandat. Autrement, nous voudrions lancer un appel à toutes les composantes, à commencer par la justice. Dans des situations comme cela, une justice responsable aurait sursis, parce que vous ne pouvez pas avoir un candidat déclaré dans une compétition électorale à l'un des plus gros enjeux, sinon le plus gros enjeu qui est la mairie, la ville de Dakar, et attendre le lendemain du dépôt des listes pour réactiver une convocation. Ce n'est pas responsable de la part de cette justice. Nous laisserons Barthélemy Diaz apprécier. Nous en discuterons. Il a été trop vite en besogne. Nous en discuterons s'il décide de ne pas défaire à la convocation du 1er décembre, parce qu'il sera déjà en pré-campagne. Nous serons à côté de lui. S'il décide de déférer, nous serons à côté de lui, comme aujourd'hui, pour l'accompagner jusqu'au tribunal. Nous le laisserons apprécier sereinement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous en appelons à la justice sénégalaise. Elle doit être garante de la stabilité et de la paix. L'instrumentalisation de la justice est d'une flagrance dans ce pays. Combien de gens proches du président de la République, je ne dis même pas, soupçonnés, mais épinglés par des rapports pour des faits extrêmement graves et qui aujourd'hui se promènent tranquillement dans Dakar. Et on est là à attendre des traquenards à l'opposition. Nous ne l'accepterons pas, nous ne l'accepterons plus. Je lancerai un appel également à l'administration territoriale. Je suis énarque, je sais ce qu'est un énarque. Je sais comment fonctionnent beaucoup d'énarques. Mais de grâce, qu'ils ne brûlent pas ce pays pour gérer leur petite carrière personnelle. Ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis le dépôt des listes jusqu'à présent, avec le zèle de certains sous-préfets et de certains préfets, est inadmissible. Il faut qu'ils arrêtent ces comportements excessifs, parce qu'ils sont là pour administrer tout le monde, et de la même manière, ils sont payés, rémunérés par le peuple sénégalais et non pas par Macky Sall. Je terminerai par lancer également un appel aux forces de défense et de sécurité. J'ai tendance à parler des forces de défense et de sécurité, et particulièrement de la chaîne de commandement. L'usage excessif de la violence ne peut produire rien de bon. Rien ne justifie le comportement des forces de défense et de sécurité aujourd'hui, au point d'occasionner des blessures extrêmement graves. Il y a une jeune femme qui est aujourd'hui en réanimation, parce que le fourgon blindé de la police est venu la heurter directement et sans justification. Des gens ont reçu des tirs à balles blanches. Des éléments de nos sécurités ont été blessés alors qu'ils n'étaient absolument pas offensifs, ils ne présentaient aucun danger. C'est cela qu'il faut arrêter et les événements du mois de mars auraient dû nous induire ou nous indiquer cela. Nous lançons un appel à ces forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas qu'on accepte que Macky Sall et le petit groupuscule qui est autour de lui mettent le feu au pays et se mettent derrière ces forces de défense et de sécurité pour les amener à brimer ou à casser de l'opposant ou du citoyen simplement. Parce que ceux qui sortent pour la plus grande partie sont des citoyens qui sont simplement révulsés par ce qui se passe dans ce pays. Voilà ce que nous voulions dire en résumé. Et nous vous remercions pour avoir été là, avoir été patient. Merci beaucoup.